tout bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high tech du 21 ou là au 21 juillet 2020 voilà donc euh, la journée de la nouvelle lune alors hier ils ont changé la lune et c'est bien la première chose qu'ils ont changé ils ont mis la même voilà ni de, pas de version plus pas de version pro rien du tout alors, contrairement à toutes nos nouveautés high tech ou là par contre ils sont fait plaisir Allez comme toujours, spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés ou peut-être qui vont s'abonner à GLG Vidéo. Une méga dédicace à tous ceux qui vont mettre un pouce bleu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on dépasse les 100 pouces. Là, on est 90, 95 et tout. Qu'on dépasse les 100 pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir pour ce début de semaine, un petit peu. Et on remerciera nos mécènes de la veille, nos producteurs du jour, Seb Véléo et Nono le Chat. On ne juge pas les pseudos. <laughs> C'est chacun qui choisit. Voilà. voilà. Donc, merci à vous pour les Tipeee d'hier. Ça permet de financer un peu l'aventure et puis bah, voilà, de me rémunérer pour mon travail. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, de, vous pouvez faire aujourd'hui via le Super Chat ou via Tipeee. Donc, du coup, vous prendrez leur place et vous serez nos mécènes de demain. C'est facile. Allez, on commence par la première news du jour avec ma review d'hier concernant la brosse à dents électrique connectée et intelligente. Et je pense que beaucoup l'ont vu en disant, ah, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte encore avec ces trucs-là? Comment une brosse à dents, ça peut être intelligente et connectée, ça sert à rien et tout. Et en fait, la vidéo a plutôt bien marché puisqu'en 24 ans, on a fait 6000 vues. Donc, c'est bien que tout le monde m'attendait un peu au tournant en disant, il nous a encore putain cliqué. Et en fait, pas du tout. La brosse à dents était vraiment bien. Vous êtes nombreux à la fin. On dit, oh, en fait, elle euh, est vraiment bien. Et certainement beaucoup à l'avoir acheté. Je traque Pas les le tracking, hein, donc je sais pas, mais euh, voilà. Donc, c'est la vidéo qui a bien marché. Et Puis voilà, 6000 vues en 24 heures, c'est bien. Je vous invite vraiment à aller voir cette brosse à dents. Elle va vous étonner parce que dites On était pensé arriver à un fan factor où on pouvait rien faire de plus qu'une brosse à dents électrique. Et là, ça apporte vraiment plus. On va voir lien dans la description. Allez, on continue avec la news avec une news qui vient de Xiaomi et qui vient directement de Big Boss de Xiaomi qui a bien confirmé qu'il y aura bien un Mi 10 Pro Plus. Oui, parce qu'il y a les Mi 10 Plus, les Mi 10 Pro c'était quand même évident qu'il y ait des Pro+. plus <laughs> j'étais turbo alors si on prend un peu le M10 Mi M10 Mi Pro bon c'est quand même des très très bons téléphones avec des écrans de 6,67 pouces en Full HD écran à molette caméra 108 millions de pixels à l'arrière et un Snapdragon 865 bon bah forcément pour cette nouvelle déclinaison ils nous un petit peu en disant bon deux haut-parleurs le NFC la prise jack bon la batterie 4500 mAh, ça paraît un peu évident le processeur si on veut du pro plus bah, il nous faut un 600, un 865, plus. ça paraît un peu évident. L'écran, pourrait avoir un nouveau taux de rafraîchissement de 120 Hz, parce que c'est un peu la tendance du moment. Et on reprendrait, bon, comme c'est marqué, la batterie 4500 mAh. On aurait toujours un écran super AMOLED et tout. Donc ça se jouerait vraiment, je pense pas au niveau de la caméra, parce qu'on ne peut pas faire plus que 108. Mais ça jouerait au niveau du processeur. Bah, qu'aurait un plus, forcément. Et qu'aurait un rafraîchissement à l'écran de 120 Hz. Quoi. Pourquoi pas Il faut voir le prix, quoi. Allez, on continue dans la news puisque Realme a bien confirmé qu'ils vont nous sortir un Realme C15 à partir du 28 juillet. Alors là, lancement, alors des fois c'est en Inde, là c'est en Indonésie. Donc pour moi, comme je suis en Thaïlande, c'est pas très très loin. Il pourrait, coup de bateau, qu'il arrive jusque-là. On ne sait pas. Bon, le téléphone, on sait pas grand-chose sur ce téléphone-là, mais ça fera partie de cette nouvelle génération de téléphone. Plein de caméras, des écrans, des punch display et tout. On s'en fout. <laughs> enfin, on s'en fout pas, mais c'est bien. Mais qu'aura une batterie de 6000 mAh avec une charge à 18 watts. Alors 18 watts c'est pas ouf quand on sait qu'ils viennent d'annoncer 125 watts Mais ça fait de la charge quand même rapide Mais le téléphone devrait être quand même relativement économique Donc pas trop cher et une batterie de 6000 mAh. Donc pour ceux qui veulent vraiment une autonomie de dingo, il a l'air plutôt joli là avec 6000 mAh. C'est quand même pas mal. Après il faut voir la série C, pas excessivement chère. Il faut voir à combien ils vont facturer ce C15. Mais euh, voilà, il est relativement intéressant puisque ça prouve bien que toutes les marques, bon bah les écrans, les rafraîchissements, les caméras, c'est pas mal. Mais la batterie peut être vachement un argument de vente. Peut-être que tu en fais partie. Allez, on reprendra une news directement. Alors j'ai pas écrit de news pour vous parler du nouveau Samsung S20 Fe fan Edition. C'est peut-être fan. Alors ils annoncent un prix, 750 dollars. Alors au début je me suis dit ah, quand même 750 dollars, c'est bâtard, ça pique un peu. Alors je me suis dit bon bah ben, voilà le S20 FE. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Le S20 FE. Bon, ils estiment que les caméras, alors euh, 750 dollars, oui, que les caméras devraient être un petit peu moins bien. Donc 12 plus 12 plus 8. Voilà, caméra frontale 32. Donc en fait une version S20 mais light. Donc je me suis dit bon pourquoi pas. Le euh, truc le S20, c'est pas bien vendu, à cause d'un prix déjà relativement élevé, et ensuite le corona, les tendances actuelles qui font, bon bah voilà, encore mettre 1000 balles dans un téléphone, il s'est pas bien vendu. Donc déclinaiser un téléphone comme ça en mettant des caméras un peu moins bien, rafraîchissement de l'écran, peut-être pas aussi ouf que l'autre, mais voilà, en réduisant un peu les specs pour sortir un prix de dingue, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Why not? Être fan, ça a un prix. Et en fait, je suis allé voir, du coup, je me suis dit, oui, mais attends, le S20... Maintenant, comment il vaut bah, le problème, c'est que le S20, il vaut plus grand chose. Le S20, alors, euh, si on part sur l'idée avec euh, sa caméra arrière de 64 mégapixels, je pars sur la Thaïlande, hein, un Exynos 990, c'est pas mal, mal. Euh, 6Go de RAM plus 128Go de ROM, bien, un écran 6,2 pouces AMOLED, on parle quand même d'un S20, une batterie de 4000 mAh et tout, bon. Une espèce de petite bombasse quoi. <laughs> On dire, téléphone, il peut tout simplement. Que... Il ne fait que 22 990 bahts. Tu te dis, mais moi je m'en bats les couilles, je comprends rien à tes bahts. Ça fait que 633 euros. Donc alors c'est hors taxe en Thaïlande et tout, mais je pense qu'il y a plein de promos sur internet. Bon, il fait que 630 balles. Enfin 630 balles, t'as un S20. Donc, ton être fan de mes couilles là, à 750 dollars, euh, il se le garde, hein. Après, si en plus il est moins bien, voilà. Alors, après, je pense vraiment qu'il va falloir qu'il mette moins cher que ça. C'est pas possible. Je veux dire, si celui-là, tu peux l'avoir à 630 balles, euh, être fan, être fan, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais forcément, 500 balles, ouais. Après, euh, un S20, voilà, c'est toujours aussi bien, c'est carrément mieux. Euh, et puis, euh, les prix sont en train d'être défoncés parce que là, personne en achète. Donc, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. 630 balles. S20 merde <laughs> Allez on parlera du Oppo qui commence à teaser un petit peu son Oppo cassette Alors le problème du Oppo cassette c'est qu'il n'est pas développé hors euh, Asie et nous et je crois que même nous en Thaïlande on a que le K3 ou même que le K1 <laughs> Donc vous voyez comme quoi c'est pas l'Ultimate Fighting hein. Non non c'est du vraiment le téléphone cassette Et ça n'a rien à voir avec les cassettes Ceux de moins, moins de 20 ans n'ont pas connu cassette audio, cassette vidéo avec le, avec le bic, ah bon après une autre époque. Bon, le cassette, alors pourrait être un smartphone à 200 dollars avec un Snapdragon 765. C'est un peu la news qui est basée par rapport à rien. <laughs> C'est-à-dire que on se base par rapport aux rumeurs concernant notre cassette qui pourrait avoir un écran 6,4 pouces full AMOLED en 5G, une batterie 4030 watts, une caméra arrière 40 millions de pixels, un Snapdragon 765 5G. Et le prix pourrait être d'enfer. Et ça, pour calculer un petit peu le prix, il faut se baser par rapport au K5. Nous, le K5, il est disponible en Thaïlande. Alors bon, ça casse pas trois pattes à un canard laqué, hein, le K5. Hein. Mais euh, le K5, il a quand même une caméra 64 mégapixels, un 730G. Ce qui est pas. Voilà, c'est une ancienne génération. Mais le K5, il ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'il le donne à, avec. Euh, ce à dire tu deux paquets de lessive, tu as un OPPO K5 maintenant. Quoi. Le OPPO K5 se déclenche entre 2400 et 3000 bahts en Thaïlande. Alors, il n'est pas disponible en Thaïlande, il faut l'importer. Il y a des versions coréennes, il y a des versions cheloues qui passent. Mais c'est-à-dire qu'en import, les mecs les vendent entre 2400 et 3000 bahts, ce qui fait entre 65 et 85 euros pour un K5. Donc le cassette lui serait un upgrade quelque part avec un processeur 5G et tout comme font tous les fabricants un petit peu maintenant pour sauvegarder leur truc donc ils vont pas lui mettre enfin même s'ils lui mettent 100 balles dans la gueule c'est quand même pas mal donc ça ferait un téléphone à 200 balles avec euh, bah, une caméra 64 mégapixels euh, bon un écran à molette c'est un peu la tendance. La batterie 4000 et tout, ça fait pas un téléphone qui est vilain vilain quoi. Pour 200 balles, on sent que euh, ça pourrait schéma. Alors après, ça pourrait schémar surtout en Asie ou en import. Et j'ai même vu sur AliExpress, ils sont pas bien fournis en Oppo. Hein, euh, et même en Thaïlande où Oppo est bien développé, le cas est pas la série. Le cas, euh, ça sera pas le cas. Allez, et pour finir ces news, on parlera du Vivo S7. Alors tu ne sais pas du tout ce que c'est, et c'est normal, parce que je ne savais même pas déjà qu'il y avait un Oppo S6. <laughs> et on va parler un peu de ce téléphone-là, parce que vous allez voir que il est quand même assez étonnant. Je rappelle, Vivo et uniquement développé en Chine, bien, fréquence chinoise, machin. Il se développe un peu en Europe. Ils ont essayé à la Russie pour les Jeux olympiques, mais ça n'a pas duré longtemps leur histoire. En Thaïlande. Un petit peu, même si on voit que tous les modèles qui sont livrés en Chine ne sont pas développés en Asie ou au moins en Asie du Sud. Mais on parlera un petit peu de ce Vivo S7 qui commence à être teasé pour remplacer le Vivo S6. Et là du coup bah, l'intérêt c'est que le Vivo S6 il existe déjà. Et le Vivo S6, à quoi qu'est-ce qu'il a dedans Alors le Vivo S6 en 5G, je rappelle, il a un Exynos 980, donc moins bien que le S20, mais ça paraît normal. Euh, sous Android 10, un écran 6,44 pouces en AMOLED. Donc là tu dis aussi bien qu'un S20, un petit peu ouais. 8 plus 256, pas mal. Les caméras à l'arrière, attention, 48 plus 32 plus 8 plus 2 plus 2, pas mal. Et si on le prend par exemple sur AliExpress, je te mettrai le lien dans la description, il vaut que 400 balles. Tu vois un peu, tu vois un peu l'animal. Regarde je reprends. Exynos 980, 6,5 pouces AMOLED, 8 plus de 56, 48 plus 32 plus 8. Enfin, il est pas mal avec un finger in display et tout. T'es en train de te dire en plus avec une jolie petite demoiselle qui fait les photos. La batterie 4500 mAh. J'avais pas noté ça, c'est bien aussi. Bon bah 400 balles. Dieu. T'es en train de te dire waouh, mais il est disponible en Europe. Alors je sais pas s'il est disponible en version globale. je vais regarder dans la fiche en même temps que là. Là, du coup, t'es énervé comme moi. Tu te dis, mais putain, c'est quoi ça? Voilà. C'est une version chinoise. Donc, euh, multilingue, un Google OTA Update. so uh, Ouais, donc c'est une version chinoise qu'ils ont bidouillé. Donc il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas le B20 dedans. Donc, euh, et attention, version bidouillée. Version bidouillée. Mais on parle d'un téléphone, encore une fois, à 400 balles qui... Sur le papier, tu n'as pas ce qui est de mieux de mieux. Avec le processeur, tu n'as pas le 990, par exemple, tu as le 980. Mais un téléphone qui est plutôt pas vilain Donc notre Vivo S7 pourrait lui avoir bah, du coup peut-être un processeur un peu plus euh, récent. Et surtout, s'il vaut dans ces prix-là, c'est pas mal. Entre 400 et 500 balles, tu vois, on vient de voir quand même qu'on on pouvait avoir un S20 pour 630 euros. Donc, c'est assez intéressant chez nous en Asie. On a que le S1 Pro, <laughs> donc voilà. De S1, on est en train de vendre le S7. Je sais pas ce qui s'est passé entre tous là. Bon, le téléphone il est pas euh, bon. Euh, attendez, j'en prends 6,38 pouces. Euh, 8 plus euh, 128. Vous voyez, on a toujours le in-display, l'ancienne caméra et tout. C'est pas vilain, vilain, mais par contre, il vaut que 200 balles lui. <laughs> 220 euros. Alors, euh. C'est quand même l'ancienne génération de vieux de vieux, mais enfin nous ils se vendent en Thaïlande. Mais on se dit, voilà, entre 200 et 400 balles, bon, il y a, y, a ben, y a 200 balles, il y a le double, mais il y a quand même un bon technologique au niveau des caméras, du processeur et tout, où on n'a quand même pas des téléphones qui sont vilains. Et tu te dis quand même, voilà, on a quand même des téléphones qui sont relativement intéressants, où Vivo retombe un peu de son piédestal en sortant des téléphones à prix choc, et le S6 c'est vraiment le téléphone flagrant où ben, je ne connaissais pas, et quand on regarde sur le papier, on se dit, ah si je pouvais en avoir un pas trop bidouillé, c'est-à-dire s'il arrive en Thaïlande, on aurait une version Europe, Enfin une version globale avec toutes les langues le Play Store. Là, c'est une version chinoise qu'ils ont bidouillé Je serais pas super chaud. Mais enfin après à toi de me dire, est-ce que pour 400 balles tu serais éventuellement chaud pour un i6 ou un i 7 et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, hein. je remercie également tous ceux qui essaient qui, essaient, qui essaient de passer pendant le live, ou alors qui regardent ça un peu en replay le soir ou le lendemain, je sais que vous êtes beaucoup sur le lendemain apparemment, au matin, au petit déjeuner et tout, c'est tranquille. Voilà, Je vous remercie de passer me voir, j'espère que vous aurez aimé ces news, un format qui aura duré normalement moins de 15 minutes si je coupe tous les petits rushs et tout, c'est pas mal, c'est le format que je voulais un peu garder. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 16h pour le Zap Actual Tech du 22 juillet. La lune sera toujours aussi neuve et en plus, il pleut. Et ça, c'est un petit peu nul. Voilà. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. Normalement, il est là. Mon Instagram, c'est Greg Geek. Je mets un peu des photos de mes journées et tout. Là, aujourd'hui, c'est la révision de la moto, du XADV, les 24 000 bornes. Là, ça a piqué un peu. Voilà. Bah, vous verrez ça sur Instagram, hein par exemple. Voilà. Allez, forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée. A demain, même heure, même endroit. Bye bye.